Les assesseurs, tous ceux qui se battent au quotidien depuis des années, ceux qui défendent nos prisonniers, Cathy, toute l'équipe de Solidarida, tous ceux qui font vivre le mouvement national à un endroit ou à un autre, tous ceux qui se battent avec une certaine idée de la Corse, tous ceux qui considèrent que notre pays n'est pas une circonscription administrative et encore moins une circonscription électorale, ceux qui se battent au quotidien pour que notre peuple retrouve rapidement l'ensemble de ses droits nationaux. Quelques mots sur ce premier tour, Karine, pour revenir. Nous avons évidemment éprouvé tous une grande joie à la lecture des premiers résultats, la télévision, nous semblait avoir remporté ce premier tour de façon massive. Et puis, lorsque nous avons entendu les premières réactions dans la soirée et puis le lendemain, nous avons même eu un doute et puis nous nous sommes dit, mais finalement, peut-être n'a-t-on pas remporté ce premier tour. À entendre certains de nos adversaires, mais aussi certains observateurs prétendument avisés, qui ne parlaient que de l'abstention, qui calculait systématiquement notre pourcentage sur le nombre d'inscrits et non pas sur le nombre de suffrages exprimés comme on l'a toujours fait, de manière à diviser à peu près par deux notre résultat, eh bien, nous avons fini par douter nous-mêmes lorsque nous avons entendu M. Ansouchi dire qu'il avait réalisé un bon score et que c'était tout à fait satisfait. Chers frères, c'est la musique à la vie de Charlie. Alors, oui, pour marquer le caractère misérable de notre résultat électoral du premier tour, eh bien, on s'est fondé systématiquement donc, sur le nombre d'inscrits. Oui, c'est vrai que cela fait baisser considérablement notre score, mais on aurait pu aussi se baser sur la population totale de la Corse, enfants en bas âge compris, et là, notre score serait encore plus élevé. Et puis, pourquoi pas ajouter les touristes en haute saison, ce qui aurait véritablement équilibré considérablement les choses. Mais quand même, lorsque l'on observe, même avec un petit peu de recul et de réflexion, en prenant en compte tous les arguments, et qu'on se rend compte que la liste immédiatement derrière nous, qui a fait 15%, c'est M. Mondeau, si on ajoute 10 points de participation, 10 points, c'est beaucoup 10 points, hein, 10 points de participation, et si on donne ces 10 points entièrement à M. Mondeloni, M. Mondeloni est derrière nous, c'est une carte synthétique. Si on ajoute 20 points de participation, 20, et que l'on donne ces 20 points à M. Mondeloni, je crois bien, hein, si c'est une carte synthétique, je ne crois qu'il est derrière. Si on ajoute 100 points à la liste de M. Mondeloni, mais je crois qu'il est encore derrière. En revanche, si on lui donne 40 points, alors il faudrait 40 points de participation et les donner intégralement à M. Mondeloni, alors à ce moment-là, il passe devant et vous voyez que finalement, il aurait pu avoir photo. Et nous en parlions hier à Porto Vecchio et Josefa
l'évoquais à l'instant, il y a des études qui ont été faites sur les abstentions mixtes. Hein. Il y a des études, notamment, qui ont été réalisées par l'IFOP en 2011, en 2014, des études concordantes, parfaitement concurrentes, sur ce qui se serait passé si les abstentionnistes s'étaient rendus aux urnes. Et cela a été fait sur un panel très très large, et les études concluent de manière claire sur un point suivant. À quelques dixièmes de points près, eh bien, les abstentionnistes votent exactement comme ceux qui se sont rendus aux urnes. Alors, malheureusement, je crois que, et je citais hier à Ajaccio, Mark Twain qui disait que les faits sont têtus, oui, il l'a dit, semble-t-il, avant Lénine, les faits sont têtus, mais on s'accorde beaucoup mieux avec les statistiques. Voilà. Alors, bien sûr, nos adversaires, comme vous le savez, ont voulu faire de ce premier tour et de l'élection de façon générale, de l'élection territoriale, un référendum pour ou contre l'indépendance de la Corse. Alors c'est vrai que ce n'était pas le sujet, nous n'avons cessé de le dire, les différents candidats de notre liste, mais ils ont insisté et les trois principales listes qui nous étaient opposées répétaient dans un cœur assez impressionnant que, eh bien, il fallait choisir entre nous, c'est-à-dire l'indépendance, et eux, c'est-à-dire la République française. Alors, c'était aussi un peu un double tranchant de leur part hein, de présenter les choses de cette manière, parce que de leur point de vue, je ne suis pas sûr que le résultat ait été parfaitement concluant et positif. Et je n'irai pas jusqu'à dire que les Corses ont voulu, en votant pour notre liste, voter pour l'indépendance, parce que ça ne serait pas honnête intellectuellement. Ce qu'il y a de certain, c'est que le débat sur l'indépendance et les indépendantistes, qui participent d'ailleurs au gouvernement de la Corse depuis maintenant 2 ans, eh bien, tout cela ne fait pas peur aux Corses. Ça a fait partie du débat et ça restera dans le débat. Quelques mots sur les positions de nos adversaires pendant cet entre-deux tours, parce qu'on aurait pu espérer que les choses ayant été éclaircies, le prétendu front républicain ayant été mis en déroute avant même d'être constitué, on aurait pu penser que l'on allait entrer dans le débat projet contre projet. Eh bien non, non, non. Alors, je n'évoquerai pas M. Jean Tsoukaril parce qu'il n'est plus dans le coup, mais enfin quand même, j'ai mis un tweet, un tweet qui, dans l'entre-deux tours, hier, qui appelle à la constitution d'un front républicain. À mon avis, M. Tsoukaril, il a passé 15 derniers jours dans une grotte. Parce que, appeler à un front républicain maintenant, je crois que même M. Souchi et Mondolone, ils n'y pensent plus. Là, c'est M. Tsoukaril. M. Souchi, lui, passer le moment, le premier moment de sidération lorsqu'il a lu les résultats. Il semble être revenu à lui et il a dit qu'il allait être une opposition constructive. Très bien. Acceptons-en l'augure, nous aurons besoin effectivement de travailler avec tous et nous aurons besoin d'esprit constructif parce qu'il y a un pays à construire, un pays à d'avoir. Donc, bienvenue si, bien entendu, ces mots sont suivis des faits. Monsieur Mondoloni, c'est autre chose. Hein. J'ai lu quelques échos d'un débat avec Gilles Simeone. Il a l'air passablement énervé. Donc, calmons-nous, M. Mondoloni. Il faut rester calme, ça va bien se passer. Vous allez perdre ces élections très probablement. Tous en harmonie, vous dans l'opposition et nous aux responsabilités, en tout cas si les Corses confirment ce qu'ils ont dit au premier tour. Mais quand même, il y a 2 ou 3 points. On m'a donné tout à l'heure des déclarations de M. Mondoloni qui me paraissent quand même assez curieuses. Je ne sais pas parce que j'avais cru avoir mal compris à la première lecture. La caissière du supermarché se fiche de l'amnistie, de la co-officialité, de l'autodétermination. Ce qu'elle veut, c'est voir son loyer baisser, avoir un accès aux soins, etc. Alors, c'est assez choquant, c'est assez inélégant. D'ailleurs, son langage a été assez inélégant ces dernières heures. Je pense qu'il faut
un homme qui a été, qui a fait des études supérieures et qui est brillant en demeurant, devrait revenir à un vocabulaire un peu plus acceptable pour un responsable politique. Mais là, la caissière du supermarché, j'avoue que cela a un petit goût de racisme social matiné, de sexisme. Pour connaître les caissières de supermarché, en avant même d'ailleurs de ma famille, je peux vous dire que nombre d'entre elles avaient compris mieux que certains proviseurs super diplômés que le Front Républicain n'était pas devant la terre et qu'il n'avait pas marché. Madame Bosse nous dit que l'enjeu du scrutin et le débat de fond n'ont pas été compris, ce qui confirme un petit peu, c'est là, évidemment, la caissière du supermarché qui n'a pas bien compris, par erreur, à voter pour la liste Perrago. Je pense que tout ça n'est pas très raisonnable, je pense que tout ça n'est pas très respectueux pour les Corses. Effectivement, si le peuple se trompe, on peut envisager de changer le peuple, mais je ne suis pas sûr que cela s'appelle la démocratie. Alors, nous avons effectivement un début de mandat à présenter aux Corses, nous l'avons présenté, il ne semble pas leur déplaire en jugé par le résultat du premier tour. Nous avons un projet, nous allons continuer, si les Corses confirment la tendance exprimée au premier tour, nous allons continuer à le mettre en œuvre. Nous avons effectivement besoin de votre soutien massif, encore plus massif qu'au premier tour, parce que voyez-vous, le but n'est pas seulement de rester aux responsabilités. Bien sûr, c'est important. C'était important que nous restions aux responsabilités, mais le but, ça n'est pas seulement cela. Le but, c'est de nous présenter demain devant le gouvernement français avec suffisamment de force. Alors, avant le premier tour, le gouvernement a été tenté, pendant plusieurs mois, de délivrer un message aux Corses, parfois subliminal, parfois très clair. Regardez, si vous votez pour ces gens-là, eh bien, rien ne bougera, ce sera non à tout, vous n'aurez plus d'argent. En gros, c'était ça, ce qu'on comprenait. Et même le préfet de région s'est risqué à une conférence de presse un petit peu politique, même tout à fait politique, qui n'est pas tellement compatible avec le principe de neutralité de l'administration. Mais enfin, le gouvernement semble à présent changer un petit peu de discours, puisque son porte-parole, M. Griveaux, vient de dire très clairement, oui, il y aura bien un dialogue avec les responsables sortis des urnes après le second tour. Bien, nous en prenons acte avec satisfaction. Quelli sont d'azzara e tutti gli altri che hanno sostenuto questa lista a andare a cercare ora. Perché sarà importante perché abbiamo ogni volta dei soggetti che Parigi non è buono esatto parlare. Et pendant deux ans, nous n'avons pas pu mettre sur la table avec en face une volonté de dialogue. La question de la co-officialité de la langue corse, qui est une part de nous-mêmes et à laquelle nous ne pouvons pas renoncer. Deuxièmement, un statut de résident pour protéger notre terre, parce que nous pouvons accepter d'être jetés dehors de celui simplement par la force de l'argent. Autour de ces sujets. Alors je vous le dis, l'élection n'est pas terminée. Il reste le deuxième tour. Torno un sforzo, andate a cercare uomini, andate in villa, andate in paese, andate in un quartiere, andate da tecnici, andate a convincere, andate a discutere, andate, scusate.